sommes effectivement, comme vous l'avez su à travers les images, aux États-Unis d'Amérique, dans l'État de Colorado, pour dénicher un Congolais dans le monde. Ce monsieur qui est en face de moi, Monsieur Fabrice Kombo, il est bel et bien de la République démocratique du Congo. Je suis dans son bureau. Il est rare de voir des compatriotes, des Africains, avec des bureaux ultra modernes ici à l'étranger. Et nous nous occupons souvent des petits boulots, mais des audacieux, il y en a vraiment enfouis dans le monde. Nous sommes à Denver et vous vivez ici depuis combien de temps, Monsieur Fabrice? Je vis aux États-Unis depuis maintenant 8 ans. 8 ans. 8 ans. 8 ans depuis que vous êtes aux États-Unis. 8 ans. Disons que en 1999, juste après mes examens d'État, je quitte le Congo, je viens aux États-Unis pour les études. Évidemment, ce n'est pas aussi facile que ça ne pourrait le paraître. Mais seulement, une fois ici, après les études, je vais rencontrer mon épouse. Et de là, nous avons notre premier fils. Et à l'époque, je suis analyste financier pour une compagnie qui s'appelle S&P 500. Je fais ça pendant 4 ans. Et au sortir de cette expérience, je lance Combo Diamonds, qui est ma compagnie d'import de diamants, de joaillerie, à partir du Congo et à l'époque d'Anvers, mais maintenant, depuis un moment, depuis quelques années, du Congo. Ensuite, j'ai aussi, après le succès que nous avons vécu avec le diamant, je me suis aussi lancé dans les appareils, dans les avions commerciaux. Je vends les avions commerciaux de marque Boeing. Je suis un vendeur de pièces. En tout cas, ma compagnie qui s'appelle Caferflow est une compagnie de vente de pièces de rechange pour les aéronefs. Laisser l'impression que mon épouse, d'ailleurs, qui n'a ni de près ni de loin, quoi que ce soit à voir avec mes affaires. Mais disons que, bon, si on appelle apprendre la langue un peu plus rapidement, puisque elle est américaine, peut-être si c'est dans cette logique-là. Mais sur le plan des affaires, j'ai toujours été très entreprenant moi-même. Madame n'est pas impliquée dans mes affaires. Donc, oui, avantage certainement, parce que la langue, j'ai avancé, mais sur le plan des affaires, non. Bon, vous savez, les États-Unis, comme je suis sûr, certains pays d'Europe, ce n'est pas chinois. Vous allez. Vous ouvrez votre compagnie. À l'époque, mes capitaux venaient du diamant que je vendais à New York. Et j'ai pris ces capitaux-là, je suis allé vers Boeing et à eux, j'ai demandé le certificat de revendeur de pièces. Et il y a certaines conditions qu'il faut remplir, entre autres avoir un bureau, un système de distribution et un système de vérification de l'authenticité de pièces, et surtout, plus important encore, avoir une clientèle, qui est une clientèle que moi j'avais déjà avec certaines compagnies congolaises. Et avec le temps, je suis arrivé jusqu'à vendre des appareils au Nicaragua, à Aruba, dans beaucoup de pays d'Amérique du Sud. Donc,
ce n'était pas nécessairement un coup de chance. C'était une progression, pour ne pas dire naturelle, mais sensée. Une autre raison de quitter les diamants, si les diamants, c'est la drogue, malgré que je n'ai jamais vraiment quitté les diamants. Il y a de nos frères qui, parfois, amènent leurs colis légalement, parce que vous savez, aux États-Unis ici, les colis qu'on amène dans les poches, là, nous, on ne sait pas toucher à ça. Mais les colis qui viennent légalement, qui passent par notre centre d'expertise au niveau de Kinshasa, parfois, nous avons des frères à Anvers qui ont besoin de quelqu'un qui peut les aider à écouler ça en dehors de l'Europe. Et beaucoup, je ne citerai pas leur nombre, beaucoup de nos frères, même par personne interposée, utilisent nos services jusqu'à ce jour. C'est une très bonne question parce qu'elle ouvre la porte à quelque chose de très important chez nous. Les États-Unis, à l'instar de beaucoup de pays d'Europe, étant donné que la base, c'est que nous sommes tous des immigrants, et le complexe n'est pas aussi présent que dans certains autres pays, notamment d'Europe et même du Canada. Aux États-Unis, vous avez une bonne idée, vous avez un peu de courage et beaucoup de détermination. L'Américain, il voit une valeur. Donc, on a parlé de mon épouse tout à l'heure. Ben, mon épouse, à chaque idée que je proposais, je dis voilà, je vais faire ceci. Son premier réflexe, c'était en tout cas, allons-y, on commence quand. Alors, quand vous avez ça constamment à la maison, vous perdez, s'il y a complexe, parce que je doute qu'il y en ait eu, mais bon, étant dans le contexte, admettons qu'il y en ait. S'il y en avait, en tout cas, c'est grâce à ce genre d'attitude-là que aujourd'hui, il n'y a pas de complexe du tout. Je crois que vous avez eu la chance de le voir. Je suis très connu dans notre communauté ici, et même dans les milieux des affaires avec nos amis américains. Dans une interview avant, les États-Unis pour merci pour l'opportunité, le Congo pour la fierté de qui je suis et d'où je viens. Je suis un fier fils du Congo. Et bien que mariée à une Américaine, si vous avez la chance de rencontrer mon épouse, vous sentez la fierté nationale congolaise bien présente. La vie. La vie est dure partout. Si on veut s'en sortir, il faut tout penser à Congo. Il faut tout être d'accord à Congo. Donc l'exode ne veut pas dire la réussite. C'est un mensonge. Merci beaucoup.